Il s'appelle Suleiman, de son vrai nom Luzulu Jobester. Il a roulé sa bosse en tant que guitariste dans plusieurs groupes de musique de Pointe-Noire, tels Mouvancia Solitaire, Campus des Stars, Les Talentueux, Les Macandas, Chauffé Libendé, Losange Musique. Aujourd'hui, il apprend aux jeunes comment jouer à la guitare avec une bonne méthode pédagogique. Un cours dédié à toute personne, quel que soit l'âge, et qui donne aux apprenants les bases à connaître. C'est parce que je suis en train de voir les jeunes se trimballer avec leur guitare dans la rue. Donc du coup, souvent quand je leur demande mais qui vous enseigne, il n'y a personne. On travaille justement à l'église, à la maison, il n'y a personne pour vous encadrer. Moi je me suis dit, c'est là où l'idée m'est arrivée pour pouvoir avoir cette initiative de vous rassembler d'encadrement de la guitare. Bon, déjà moi, en ce qui me concerne la guitare, j'encadre sur la portée, j'encadre sur beaucoup de, pas mal de styles. Et je base surtout sur les gammes, les modes, tout ça, tout comme ça. Pour l'instant, je me débrouille avec les guitares gènes, les guitares acoustiques. Et là, vous voyez, on a quand même pas mal. Je suis en train d'utiliser les guitares de groupe de Losange. Heureusement, le président Raymond, c'est un homme qui est tellement bien. Il m'a accordé cet espace, y compris les instruments, pour pouvoir passer les cours à mes élèves. Sinon, lorsqu'on travaille à la maison, j'ai les guitares acoustiques, on travaille avec eux. Pour l'instant, je n'ai pas encore le matériel propre, comme on dit, donc je suis en train de travailler avec le travail du président. Loïc et Michel sont satisfaits des notions déjà acquises. À la formation des bandes, on a des pratiques et on mélange les deux, théorie, pratique. Alors pour d'autres, forme seulement sur le cadre pratique et puis on teste ce que tu fais. Alors là, avant de jouer les choses, on doit comprendre ce qu'on va faire avant de procéder à jouer. D'où on met la pratique et la théorie ensemble. Ça donne les bases, même si ce qu'on veut jouer peut paraître simple. Mais si on me demande d'expliquer, tu peux expliquer et tu peux mieux refaire et mieux transmettre aux autres. Suleiman envisage de développer ce centre d'encadrement qui forme à la guitare. Une noble ambition qui mérite d'être encouragée pour le bien-être de la culture congolaise.